lettres de l'alphabet et pour chaque lettre, j'ai dit un ou plusieurs mots qui commencent par cette lettre et j'ai fait une prière avec, une sorte d'abécédaire spirituel, si vous voulez. Alors, bismillah. Alors, A comme Allah, bien sûr, et comme A comme Alif, qui débute aussi le nom d'Allah et qui nous rappelle qu'au début de tout, c'est Allah, et au début de l'écriture et au bout du qalam, c'est Allah. A comme aujourd'hui. Je nous souhaite aujourd'hui de parvenir à vivre votre présent en appréciant chaque instant, chaque minute qui s'écoule sans regret, en paix, dans l'instant T. A comme abondance, qu'Allah vous donne en abondance et ne vous prive de rien. Amin. A comme acceptation, qu'Allah fasse que l'on soit dans l'acceptation de ses décisions. Et le témoignage de notre sœur nous a montré, subhanallah, la force de l'acceptation. Et comment parler du A sans parler d'amour? Elle nous a montré encore l'importance de l'amour, subhanallah, et qu'on a beau tout avoir, mais sans l'amour, on a le sentiment de ne rien avoir. A comme amour, l'amour qui commence par la lettre A, comme pour nous dire qu'il doit être au commencement de tout. B comme balance, que la balance de vos bonnes actions soit la plus remplie et le poids de vos hasanettes, que le poids de vos hasanettes dépasse le poids des cieux et de la terre. B comme beau, qu'Allah le plus beau embellisse vos vies et vos destins, vos cœurs et vos âmes et ne vous fasse voir que le beau en toutes choses et en toute personne. Inch'Allah, amin. B comme bonne humeur, qu'Allah vous permette de faire partie de celles et de ceux qui, quoi qu'il leur arrive, soient toujours de bonne humeur. C comme compassion. C'est comme compassion, c'est comme compassion, subhanallah. Et à la suite du témoignage de notre sœur, on ne peut que l'être, subhanallah, comme a pu l'être son frère avec elle. C'est comme causalité, qu'Allah vous fasse faire les bonnes causalités. C'est comme les trois C, la connaissance, la certitude, la conviction. Qu'Allah remplisse votre cœur de certitude, de connaissance et de conviction. Amin. C'est comme le choix, qu'Allah vous aide à faire les bons choix, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes, et vous aide à agir une fois avoir choisi, amin, de la meilleure des façons, amin, avec toujours le bon comportement avec vos proches, amin. C'est comme culpabilité, qu'Allah vous aide à faire les bons choix, et c'est comme culpabilité qu'Allah apaise vos cœurs et éloigne de vous la mauvaise culpabilité. D. Bien sûr, comme dans le Coran, qu'Allah protège nos émirettes et toutes les techniciennes et les intervenantes et les modératrices du forum et nos logisticiennes et nos maquettistes. Amin, nos mamans, nos enfants, nos tatas, nos sœurs, toutes celles qui font la joie de Dar al-Qur'an. D, comme droit et devoir, qu'Allah fasse que nous soyons de celles qui accomplissent leurs devoirs et qui accordent à nos familles et aux autres et à nos corps leurs droits, leurs pleins droits. D, comme décision, qu'Allah vous aide à prendre les meilleures décisions. Amin. D, comme deuil, qu'Allah aide toutes nos familles endeuillées par la perte d'un être cher. Amin. D, comme zikr, qu'Allah nous compte parmi ahl zikr, les gens du rappel et du souvenir. Amin. E, comme espoir. Espoir, comme nous l'a montré le témoignage de notre sœur Naya, qu'Allah remplisse vos cœurs d'un espoir aussi grand que ne contiennent, aussi grand que le ciel et la terre. E, E comme effort, qu'Allah nous aide à continuer à faire des efforts dans la durée et constant. Amin. E comme efficace, puissions-nous l'être tout le temps qu'il nous est imparti sur terre. E comme embellir, qu'Allah fasse que vous soyez de celles qui embellissent la vie de ceux qui vous fréquentent, de ceux qui vous écoutent. Amin. E comme enfant, qu'Allah vous donne des enfants pieux, intelligents, reconnaissants et en bonne santé, et qu'Allah donne à toutes mes sœurs qui se sentent dans l'envie d'être mère et à nos frères qui se sentent dans l'envie d'être père. E, comme enterrement, une pensée pour notre frère Farid, le beau-frère de notre modératrice du forum Fadila, qui se fait enterrer à l'heure du Zohar aujourd'hui, qui a quitté sa famille, subhanallah, en une fraction de seconde, sans signe précurseur ni annonciateur de son départ. Puissions-nous ne pas nous disputer avec les membres de nos familles et nous réconcilier et nous demander pardon à chaque fois qu'ils franchissent le pas de la porte, car on ne sait pas qui de nous partira. F comme force, qu'Allah vous donne la force physique, mentale et spirituelle pour résister durant les tempêtes de la vie ici-bas. F comme facilité, soyez de celles qui facilitent pour leur entourage. F comme famille, qu'Allah vous garde unis les uns pour les autres, les uns avec les autres. F comme fleur, qu'Allah fleurisse vos vies et la protège de la folie des hommes. Amin.
j'ai comme garant, puissiez-vous faire partie des, j'ai comme gagnante, puissiez-vous faire partie des gagnantes sur terre et dans l'au-delà. J'ai comme gratitude, puissions-nous être de celles qui font preuve de gratitude, de jour comme de nuit. H, H comme harmonie, puissions-nous l'atteindre dans nos vies. H comme humour, qu'Allah nous aide à rester humble, simple et à savoir faire preuve d'autodérision pour ne jamais avoir la grosse tête. Amin. H comme habitude, qu'Allah nous aide à garder nos meilleures habitudes et nous aide à enlever celles qui nous desservent. Amin. I comme intelligence, qu'Allah nous accorde les intelligences du cœur, de l'esprit et de tous les sens. Amin. I comme intuition, puissions-nous avoir les bonnes intuitions et une bonne opinion préalable sur les gens, sur le destin et sur Dieu. J comme jugement, Ya Allah, nous comptons sur ta miséricorde et ta justice. Amin. J comme je t'aime, puisse Allah vous aider à exprimer vos sentiments à ceux que vous aimez. K comme Karim, qu'Allah nous aide à être généreuse. L comme lâcher prise, qu'Allah aide mes sœurs à être zen et sereines. Amin. L comme légèreté, qu'Allah allège vos cœurs et vos peines. L comme leçon, puissions-nous être attentifs aux leçons, aux messages sur le chemin. L comme lucidité, qu'Allah nous aide à être et à rester lucides jusqu'au bout, Inch'Allah. L comme limite, puissions-nous connaître nos limites et ne jamais laisser personne dépasser les limites du respect avec nous. M comme minorité, qu'Allah vienne en aide à tous ceux et celles qui sont opprimés, qui se sont délaissés et puissions-nous faire partie de celles qui aident. M comme mourir, qu'Allah mette la baraka dans vos vies et de sorte qu'au moment de mourir, vous soyez en paix avec le sentiment du devoir accompli. Amin. M comme manger, puissiez-vous toujours pouvoir manger à votre faim, sans excès et que de bonnes choses pour votre santé. Amin. M comme mariage, qu'Allah marie toutes celles qui le peuvent, que celles qui le veulent avec les personnes les plus compatibles avec elles. Amin. N comme nourrir. Ya Allah, puisse Dieu nourrir vos cœurs, Inch'Allah, de toutes les nourritures spirituelles dont vous avez besoin. N comme nœud. Qu'Allah défasse les nœuds et guérisse nos cœurs. Qu'Allah défasse les nœuds et guérisse nos sœurs qui sont atteintes d'un mal occulte. Amin. N comme neuf. Qu'Allah vous accorde de vivre ce renouveau que le mois de Ramadan permet de vivre. N comme non-violent, comme la non-violence, qu'Allah vous aide à communiquer de façon sage, vraie et non-violente. Amin. O comme ouverture, qu'Allah ouvre devant vous et jamais contre vous les portes. Amin. O comme opportunité, qu'Allah augmente les opportunités dans vos vies et que vous sachiez les saisir. Amin. P comme la paix que je vous souhaite du plus profond du cœur. P comme prophète, qu'Allah remplisse nos cœurs d'un amour sincère envers tous nos prophètes et qu'Allah remplisse nos cœurs d'admiration pour nos prophètes et modèles et pieux prédécesseurs. Amin. P comme peur, puissiez-vous ne plus avoir peur d'avoir peur. P comme paradis, puissions-nous nous rappeler de cette invocation une fois toutes réunies au paradis en se disant, tu te rappelles le doigt avec les lettres qu'un jour Myriam nous a fait un vendredi. Lol. Q comme quotidien, qu'Allah vous aide à vous organiser dans votre quotidien et à connaître vos priorités. Et bien sûr, Q comme Qur'an, qu'Allah le fasse être au centre de nos priorités. Amin. R comme rêve, qu'Allah exauce tous vos rêves et vous permette de rêver des meilleures choses. Amin. Et d'en avoir la meilleure interprétation. Amin. R comme respirer, et Allah aide ma communauté à pouvoir prendre le large et à pouvoir sortir et respirer à plein poumon, ainsi que l'humanité. R comme râler. Seigneur Dieu, il y a parmi nous des sœurs qui ne cessent de râler à longueur de journée. Ya Allah, aide-les à être dans le contentement. Aide-les à devenir plus optimistes. Amin. R comme recueillement. Khushu'a, qu'Allah nous facilite. S comme satisfaction. Qu'Allah nous l'accorde. S comme santé. Qu'Allah guérisse tous nos malades, vos parents, nos enfants, vos enfants, votre fratrie, vos grands-parents, vos oncles, tantes, cousins, cousines, amis, vos conjoints, tous ceux que vous aimez, qu'Allah les guérisse d'une guérison complète. Amin. S comme sauvegarde de l'environnement, qu'Allah nous donne et nous aide dans cette voie. Amin. Qu'Allah nous pardonne. Amin. S comme sérénité, sakina, comme sagesse, qu'Allah nous l'accorde. Amin. S comme solitude, qu'Allah aide toutes mes sœurs qui souffrent de solitude. Ya Allah, ne laisse pas leur cœur vide,
Ne laisse pas leur maison vide. Accorde-leur la meilleure des compagnies. Amen. Est-ce comme soulagement, Seigneur, en ce vendredi béni, soulage mes sœurs, soulage leur cœur, ici présent, soulage leur cœur, leur corps et leur âme et toutes celles qui n'ont pas pu être là ce matin. Est-ce, bien sûr, comme sourire, Allah redonne le sourire à mes sœurs et à mes frères qui l'ont perdu. Amen. T'es comme tristesse, qu'Allah éloigne de vos destinées la tristesse et l'emplisse de joie. T'es comme le temps, qu'Allah mette la baraka dans votre temps et dans votre vie. T'es comme tombe, que vos tombes soient illuminées par la lumière et puissiez-vous y voir votre place au paradis et goûter aux délices de la foi. Amen. U, comme urgent. Puissiez-vous ne plus faire les choses dans l'urgence et à la dernière minute dans le stress. Puissiez-vous ne plus remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Et ça commence aujourd'hui, comme le A. U, comme utile, qu'Allah vous aide à avoir un savoir utile et vous aide à être utile sur terre. V, comme victoire, qu'Allah nous accorde la victoire de la lumière sur les ténèbres. Amen. V comme vérité, puissions-nous être de celles qui disent toujours la vérité, mais jamais sans blesser, au bon endroit, au bon moment et aux bonnes personnes, ou alors qui se taisent quand il faut se taire. V comme la vie, puissiez-vous la préserver, celle qu'il y a dans vos cœurs. V comme volonté, qu'Allah donne la force à vos volontés pour agir, pour grandir, pour vous unir. W, c'était dur à trouver, alors j'ai dit comme wagon, puissiez-vous embarquer dans les meilleurs trains et les meilleurs PG. X, qu'Allah apaise le cœur de toutes les personnes orphelines nées sous X, qu'Allah leur accorde le paradis et leur permet de retrouver leurs parents dans les meilleures conditions. Y comme youpi, c'est fini, non je rigole, je vous kiffe. Y comme ya, pas mieux qu'une communauté unie qui se respecte dans ses différences et la preuve, on la voit tous les jours ici entre nous. Malgré mes idées les plus farfelues, vous êtes encore là, merci. Z comme zuhd, dans le mot zuhd, ascétisme en arabe, il y a la lettre zin qui veut dire refuser et s'éloigner de la zina. Il y a la lettre ha qui veut dire s'éloigner de l'hawa et des passions vaines. Et il y a la lettre del qui veut dire s'éloigner de l'amour de dunya. Puisse Allah nous éloigner de zina ou l'hawa ou de dunya. Bon, je ne vais pas vous faire la doua avec l'alphabet en arabe ou en grec ou en chinois. Sinon, je vais voir toutes les connexions cesser d'un seul coup. On se retrouve, Inch'Allah, cet après-midi. Même endroit, même heure, dans notre caverne à 15h, Inch'Allah. وأقول هذا واستغفر الله لي لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعانا الحمد لله رب العالمين الحمد